Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. D'abord, les titres de ce journal. 22 mars 2007, 22 mars 2017, il y a exactement 10 ans que la ville de Kinshasa était sens dessus-dessous, les armes tant lourdes que légères crépitaient, et particulièrement à la Gombée. C'était la guerre entre la garde personnelle de Jean-Pierre Bemba et l'armée régulière. Retour sur cet événement malheureux dans ce journal. Après d'intenses discussions, les délégués aux travaux sur l'arrangement particulier sont prêts à parler d'une même voix. La signature de cet arrangement pourrait intervenir lundi prochain, selon le vice-président de la CENCO, que vous suivrez dans cette édition, qui reçoit comme invité Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC. Merci de continuer à nous suivre, les détails à présent. Je vous le disais en ouverture, il y a 10 ans, jour pour jour, le 22 mars 2007, Kinshasa, ou plus exactement son centre-ville, faisait l'objet d'une véritable guerre. D'une part, la garde républicaine, et de l'autre, la garde personnelle de Jean-Pierre Bemba, arrivé deuxième à la présidentielle de novembre 2006, des fêtes qu'il n'avait pas digérées au bout d'un long suspense devant le refus de ces hommes d'intégrer l'armée régulière. Le conflit a éclaté. Mouine Mouroufel. Le 22 mars 2007, le centre-ville de Kinshasa est en feu, mais la ville ne brûle pas encore. À 9h, la garde républicaine donne l'assaut contre la résidence de Jean-Pierre Bemba, boulevard du 30 juin. Et le camp retranché de sa garde rapprochée à Tenante. Très vite, les engins de guerre de la MONUC sont retirés, prenant refuge dans leur quartier général. Les chars T-26 venus du camp Tchatchi ont pris position au Square Mandela, tandis que des troupes commando font face à la résidence depuis le cimetière de la Gombe. L'ancien vice-président et le dernier carré de ses fidèles sont pris sous le pilonnage des forces loyalistes. Après des négociations secrètes, Jean-Pierre Bemba et sa famille sont exfiltrés puis conduits à l'ambassade d'Afrique du Sud, située à une encablure. Dans la soirée, un couloir d'évacuation est aménagé pour ces hommes qui rejoignent la MONUC. Des familles entières d'anciens rebelles parviendront à traverser le fleuve et à se réfugier à Brazzaville sur un bateau réquisitionné de force. Ils resteront derrière eux des dizaines de policiers tués, entre autres devant la Cour suprême de justice, et un nombre indéterminé de civils. Parmi ces derniers, Hugo Tanzambi, célèbre cambiste touché par un tir de roquette alors qu'il se trouvait dans les halls d'une banque. La guerre de Kinshasa, 3 jours d'affrontements sanglants dont sortira vainqueur Joseph Kabila, le président fraîchement élu. La suite, on la connaît. Monsieur Bemba, on aurait pu s'éviter ces pertes en vies humaines si Jean-Pierre Bemba avait accepté sa défaite sportivement. Écoutez, je ne vois pas les choses comme ça, mais il faut quand même reconnaître qu'en amont de tous les conflits armés qui occasionnent des pertes humaines, il y a toujours des solutions non explorées. Et donc je pense que la responsabilité partagée dans le chef de ceux qui avaient le monopole de la violence légitime, je cite ici l'État congolais ou l'armée congolaise, qui pouvait aussi retarder son ultimatum, autant aussi nos militaires à l'époque, ceux qui faisaient la garde rapprochée du président Jean-Pierre Bemba, hein, le président du parti à l'époque, pouvaient aussi, dans une certaine mesure, obtempérer. Donc je pense que, avec beaucoup de recul, je pense qu'il y avait des solutions qui n'ont pas été explorées à fond et que ça a vite dégénéré, et nous regrettons amèrement les pertes en vies humaines, et raison pour laquelle nous avons pris l'engagement, bien par la suite, de continuer notre combat de manière très démocratique par les voies de présentation des programmes, par les voies démocratiques que sont les élections. Le président Kabila avait fait preuve de bonne foi puisque il s'était même rendu à la résidence du président Jean-Pierre Bemba.
Vous savez, il y avait beaucoup de pesanteurs, hein. L'histoire nous en dira plus. Je n'étais pas là au moment des faits. De ce que j'ai pu comprendre, je maintiens ici ma position selon laquelle la responsabilité est partagée. Effectivement, M. Kabila, le chef de l'État à l'époque, a fait le pas. Autant il était le commandant des armées, il a ordonné que l'attaque soit faite. Autant aussi M. Jean-Pierre Bemba, qui était le vice-président, son vice-président avec lequel il avait travaillé durant la période 1 plus 4, avait la responsabilité sur ses militaires. Maintenant, l'histoire nous en dira plus par la suite, mais laissez-moi m'abstenir avec un petit droit de réserve pour vous dire que je pense qu'en amont de tout conflit militaire, il y a des solutions explorables par les parties et je ne pense pas qu'elles ont été explorées comme il se fallait. Malheureusement, c'était une rébellion qu'il fallait étouffer à l'époque. Rébellion, je ne pense pas. Il y a des militaires à nous qui se retrouvaient dans une position de légitime défense. Ils ont essayé de se... D'accord. Vous prêchez pour votre chapelle et personne ne vous jettera la première pierre. Mais écoutez, je suis tout à fait solidaire avec nos compatriotes qui ont perdu leur vie et je me dois, à ce titre-là, en tant que porte-parole, de défendre tant soit peu la cause, pour au moins qu'il y ait des raisons objectives. L'opinion en jugera par elle-même ou en a déjà jugé. En politique, les violons semblent s'accorder entre les parties prenantes aux discussions sur l'arrangement. En particulier, lundi prochain, tout s'arrête. Le vice-président de la SENCO se veut formel. Le 27 mars, les délégués vont signer l'arrangement particulier. Entre-temps, une commission restreinte a été mise en place pour examiner la répartition des postes ministériels. Rachel Kitita et Doudou Kassouba. Pour les délégués et la médiation, l'essentiel du travail a été fait. C'est le dernier virage des discussions directes. Reste la répartition des postes ministériels et la question de la présidence du CENSA. Le gros de points qui était prévu à l'ordre du jour, nous avons évacué. Il y a d'autres questions pour lesquelles nous avons constitué un petit groupe de travail qui va se réunir demain à 11h pour traiter... surtout la répartition de postes ministériels. Puisque plus rien ne bloque encore à ce jour la signature de l'arrangement particulier, elle interviendra le lundi prochain. Le plus beau, c'est que nous avons même, si vous êtes curieux pour le savoir, nous avons même fixé la date de l'adoption solennelle finale et signature de l'arrangement particulier. Nous avons abordé les questions majeures. Nous avons même fixé la date de la signature de l'arrangement particulier. Monseigneur le Président va vous donner les détails. Et les propos que vous avez pu entendre de la part des gens un peu excités ne représentent strictement pas ce qui s'est passé dans la salle. Interrogez Monseigneur le Président, il vous dira que tout se déroule très bien. Au cours de cette semaine, nous allons terminer les travaux. La rencontre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi ne conditionne pas la signature de l'arrangement particulier, dit le vice-président de la SENCO. Entre-temps, le secrétaire général de l'UDPS claquait la porte des discussions quelques heures plus tôt. Il est tout simplement constaté par moi que la majorité multiplie des embûches, multiplie des points de désaccord pour nous traîner en bateau et ne pas appliquer l'accord. L'UDPS est là, vous voyez vous-même, non, nous avons travaillé avec le rassemblement jusqu'à la fin. Il a quitté la salle, oui. Alors, là, ça n'engage que lui, parce que vous voyez vous-même que nous sortons de la salle avec tout le monde. Les discussions sur l'arrangement particulier, justement, le processus électoral et la lutte de la femme, voilà entre autres les questions évoquées à la réunion du mouvement des sociétés civiles du Congo. Dans une déclaration, les membres de la structure ont réitéré leur soutien aux efforts des évêques. La plateforme centriste invite par ailleurs le chef de l'État à mettre un terme à l'impasse politique actuelle. On écoute le porte-parole du mouvement au micro de Félix Ilunga. Satisfait de la signature de l'accord politique du 31 décembre 2016 par les parties prenantes au centre interdiocésain, le mouvement des sociétés civiles du Congo continue de féliciter, soutenir et encourager les évêques de la SENCO à poursuivre jusqu'au bout leur mission de bons offices pour éviter à la nation congolaise un lendemain sombre et chaotique.
Le mouvement des sociétés civiles du Congo invite le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à trois actions fortes. Primo, mettre fin à la cacophonie politique de l'heure en tant que garant de la nation et premier gestionnaire de la res publica. Secundo, procéder sans considérer les spéculations et préjugés des uns et des autres à la nomination rapide du nouveau Premier ministre issu du rassemblement en vue de la formation d'un nouveau gouvernement de transition plus inclusif et plus efficace. C'est pourquoi l'MCCO lance un appel pathétique au rassemblement pour qu'il désigne et présente rapidement au chef de l'État pour nomination le nom du candidat Premier ministre du gouvernement de transition prochain, Tercio. Respecter et faire respecter tous les fondamentaux et impératifs propres à un régime démocratique véritable et à la justice sociale, selon le modèle de certaines vieilles démocraties, le mouvement de société civile du Congo s'est saisi de cette opportunité pour demander ainsi à toute la population congolaise en général, les jeunes, hommes et femmes autorisés par la loi en particulier, de vaincre l'indifférence et d'aller s'enrôler en masse pour qu'ils obtiennent leur carte d'électeur, sans lesquelles ils ne seront pas sanctionnés les mauvais gouvernants au profit des meilleurs dirigeants lors des élections qui se pointent déjà à l'horizon. Les temps des égoïsmes politiques ou querelles intestines et combats de rue comme des petits-enfants révoltés et révolus. Parlons un peu de nous-mêmes, journalistes. La nouvelle serait partie d'un forum organisé par l'Union nationale de la presse du Congo le week-end. Très vite, de bouche à oreille et à travers les réseaux sociaux, l'information s'est ensuite répandue. L'UNPC préparerait un embargo contre la classe politique, raison avancée, la léthargie constatée dans la poursuite des travaux à la CEMCO au sein de la corporation journalistique, que des réactions depuis. Si pour certains, trop c'est trop, il faut à tout prix faire pression sur les dialoguistes, pour bien d'autres journalistes, l'UNPC s'arroge des droits qui ne sont pas les siens. Nos reporters sont entrés voir le président de cette structure pour savoir ce qu'il en était exactement. Amen Dimouani, Doudou Kassouba. Partout où se tiennent les discussions autour de la crise que connaît la RDC, aux côtés des politiques et autres forces en présence, ils sont toujours là, bien présents. Les journalistes, de par leur métier, sont des témoins privilégiés de l'histoire même du pays au quotidien. Et lorsque rien ne marche à l'Union nationale pour la presse au Congo, les cadres fédérateurs de tous ceux qui composent la presse, on est d'avis qu'il faille en parler en qualité d'acteurs cette fois-ci et non des simples accompagnateurs. D'où l'idée initiée de parler de la crise que connaît le pays au cours d'un forum organisé par l'UNPC. Notre rôle, c'est de nous devons informer. C'est pour cela qu'on dit que les faits sont sacrés. Le commentaire est libre. Nous devons informer l'opinion de tout ce qui se passe. C'est notre rôle, notre travail de tous les jours. Mais nous devons aussi former, éduquer la même population que nous informons. Et puis en plus, divertir, c'est quand on a beaucoup travaillé, il faut à un moment donné se divertir. Donc, c'est dans cet esprit de... Nous sommes aussi citoyens de ce pays. Tout ce qui se fait nous interpelle, nous aussi. Nous n'avons pas seulement le droit d'entendre et de dire, non. Et même de fausser, de les répercuter, non. Nous devons aussi former. Mais n'est-il pas possible que le journaliste, en tant que citoyen, donne aussi son avis sur un problème de sa société, un problème qui se vit surtout au cours de cette période très difficile. Il faut que nous entendions deux parties. Nous allions vers elle. Nous échangeons pour que nous puissions d'abord comprendre pourquoi ça traîne. Vrai ou faux donc, a-t-on pensé à un embargo sur la classe politique dans les médias? D'abord, je dis que c'est faux sur toute la ligne parce que nous n'avons décrété aucun embargo contre personne. Et au sein des différentes structures regroupant le professionnel de médias, on s'est fait aussi sa petite idée au sujet des éventuelles sanctions à infliger aux politiques.
Il est important pour nous, journalistes, JA, de nous investir pour privilégier d'abord ce qui est la part du public. Et puisque l'accès à l'information est un droit pour le public, je pense qu'il est important de militer pour cela. Mais les discussions sont encore en cours. On aura le temps de lever des options. En tout cas, j'encourage, je suis très content de l'option ou de la démarche de l'ouverture de l'UNPC, de convier toutes les associations des carrés reconnues par l'UNPC à ces assises, à ces discussions. La suite du journal avec ce déplacement de M. Délice Essanga qui revient de Kananga. Il exige des sanctions contre les auteurs des violations massives des droits de l'homme dans cette partie du pays, dans l'affaire Kamuinantsapu. Délice Essanga est au micro de Tapi Lutunu et de Dukasuba. Nous avons noté et nous avons exigé qu'il y ait une mission d'enquête sur ces violations massives de droits de l'homme et que les responsables puissent être sanctionnés. C'est face au Kasaï un drame que le pays risque de regretter et il est temps d'agir. Il y a presque un mois, j'avais publié un plan intégré de sortie de crise dont les termes ont été globalement repris dans la déclaration qui a été faite par le notable, les élus de la province. Et nous continuons à croire qu'il est possible de ramener la paix dans cette partie de notre pays et aussi de faire baisser les cas de violence qu'on y enregistre. Et puis, une scène peu habituelle s'est déroulée ce matin dans la commune de Limété. Une rumeur s'est répandue faisant état des troubles dans cette partie de la capitale. Certains jeunes sont allés faire sortir les élèves de leurs écoles et pourtant il n'y avait absolument rien. Les détails avec Hermione Yanf. Tout est parti d'une folle rumeur faisant état des troubles vers la 10e rue Limité. Du coup, un groupe de jeunes gens est venu alarmer les élèves et enseignants du complexe scolaire Archange Raphaël situé à la 4e rue Limété. La nouvelle s'est répandue comme une drainée de poudre. Du coup, les parents sont venus récupérer leurs enfants. Les responsables de l'école ont tenté à vain de convaincre les parents pour laisser les élèves étudier. Aucun géniteur n'a voulu prendre le risque de laisser sa progéniture dans ces conditions. En pleine période d'examen de second trimestre, toute une journée est gâchée à cause des fauteurs de troubles. Quelques élèves sont gardés à l'école, ils attendent leurs parents qui ne sont pas informés de la situation. Dans l'entretemps, les enseignants tournent les pouces indépendamment de leur volonté. Monsieur Mamba, rebonsoir. Vous ne faites pas partie prenante au gouvernement à venir, mais vous exigez plutôt autre chose. Vous devenez un problème. Nous ne l'avons jamais été. Il faut se rappeler qu'en 2013, il y avait des concertations nationales qui avaient pondu près de 600 résolutions. Nous nous sommes engagés via une circulaire de ne pas participer au gouvernement parce que nous estimons que pour que un gouvernement ait les pleins pouvoirs, il faut qu'il soit issu d'une majorité parlementaire qui, sur base d'un programme, conquiert une élection. Donc, nous avons gardé la même ligne, ça ne devrait étonner personne. 2013, aujourd'hui nous sommes en 2017, donc nous sommes l'un des partis les plus constants que de dire oui, effectivement, nous voulons diriger ce pays. Oui, effectivement, nous avons l'ambition d'avoir la primature, mais nous n'aimerions pas l'avoir dans un cadre de conciliabule. Il faut la mériter. Raison pour laquelle nous appelons de tous nos voeux à l'organisation des élections présidentielles afin que chaque parti politique se défende de son programme et essaie d'obtenir la majorité présidentielle. Mais par contre, vous exigez autre chose. Écoutez, vous aviez à l'époque des discussions en amont. Entre la majorité présidentielle, à l'époque, c'était avec l'UDPS. Vous avez Ibiza, vous avez Venise. Donc, on a bien compris qu'on a bipolarisé la vie politique. Et donc, à un certain moment, nous avons appelé de tous nos voeux l'organe qui est le CNSA, qui a comme mission de contrôler de manière bimensuelle le processus électoral. Nous nous sommes dit que nous étions bien placés, n'ayant pas participé à cette bipolarisation de la vie politique, pour contrôler les uns et les autres sur la bonne exécution du processus électoral. Et c'est une position un peu plus légitime et tout à fait ambitieuse, mais que nous méritons. Oui, mais vous le savez bien que ce poste appartient plutôt au Rassemblement ou a été donné au Rassemblement. Vous êtes à nouveau un problème.
Nous ne l'avons jamais été parce que nous sommes prêts, entre guillemets, à sacrifier ce poste si nous devrions devenir un problème. Notre problème, c'est que cette constitution n'a pas été respectée et que nous nous retrouvons dans une formule de dialogue avec une période un peu plus transitoire parce qu'il n'y a plus d'élection. Donc notre problème en tant que front pour le respect de la constitution, c'est que la constitution soit respectée et que nous ayons des élections. Maintenant, pour revenir à ce que vous dites, qui est tout à fait juste, le poste avait été attribué à M. Tshisekedi pour son parcours, par rapport à sa grandeur d'esprit, par rapport à tout ce qu'il avait consenti. Son combat, tout ce qu'il a consenti comme sacrifice pendant 30 ans, l'exemple de la constance. Et nous nous sommes inclinés par rapport à la volonté des évêques qui nous avaient fait comprendre que, oui, vous ambitionnez, vous prétendez diriger le comité national de suivi, mais nous estimons que par rapport à son âge et toutes les considérations évoquées ici, que ce poste lui revient de droit. Et donc nous sommes inclinés, nous avions accepté la vice-présidence. Mais maintenant qu'il n'est plus là, je ne vois pas pourquoi l'on devrait imaginer qu'il y a une forme ainsi d'automatisme à ce que ce poste revienne à une personne qui n'a peut-être pas la même envergure, à une personne comme Pierre Lumbi, que je respecte par ailleurs, qui est fraîchement sorti de la majorité présidentielle en tant que conseiller en matière de sécurité. Et pourquoi pas nous qui avons 16 ans d'opposition? Pourquoi pas nous qui avons une représentativité sur le plan national à tous les niveaux, le Sénat, les assemblées nationales, les assemblées provinciales, et qui plus est, avons refusé de participer au gouvernement? Nous sommes les seuls qui n'en ont pas participé à ce gouvernement, et en raison de cette particularité et du rôle que nous voulons jouer, je trouve que ce serait quand même conciliant de la part des camarades de nous céder ce poste. Pierre Lumbi, son opposition ne date pas d'aujourd'hui, il a fait partie du gouvernement du Premier ministre Tshisekedi, le premier gouvernement. Le MSC n'a pas la prétention d'attribuer des cartons et de définir la qualité des opposants. C'est pas ça mon propos, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que chronologiquement, de toutes les batailles que nous avons menées ces trois dernières années, en commençant par les concertations nationales, les différentes marches et organisations d'activités en vue de faire respecter la Constitution, je pense que pendant que nous étions, histoire tout à fait récente, pendant que nous étions dans cette rhétorique et dans ce combat, M. Lumbi était de l'autre côté. Ça ne lui enlève pas sa qualité d'opposant, encore moins il nie le parcours qu'il a. Mais ce que nous disons, c'est qu'en termes de représentativité, parce que lui, ce n'est qu'une personnalité, mais je veux dire que le MLC dans ce pays a son histoire. Le MLC dans ce pays a, de manière mathématique parlementaire parlant, a de manière très, très probante démontré qu'il a des assises dans la population. Et en dehors de la personne de M. Tshisekedi, je ne pense pas que ce serait un crime que d'ouvrir les discussions pour que ce poste nous soit confié. Vous parlez comme si... Le MLC, votre parti, se portait très bien. Alors racontez-nous, comment ça se passe chez vous? Ça se passe comme dans tous les partis politiques. Nous avons des organes statutaires, un bureau politique, nous avons un collège des fondateurs, nous avons des organes exécutifs et des organes fédéraux. Mais on nous dit aussi qu'il y a du chahut par-ci, par-là. Il n'en manque pas ailleurs peut-être, mais vous, vous en parlez vraiment comme si... Oui, mais c'est l'expression démocratique, c'est le paradigme de la démocratie dans les partis politiques. Notre parti est un parti de discussion. C'est vrai que nous n'adoptons pas toujours les mêmes points de vue. Au niveau du bureau politique, il y a des voix discordantes, mais les points de vue majoritaires s'imposent et c'est ça la loi des partis politiques. Alors comment ça se fait? Comment ça se passe? Toutes les décisions sont prises par M. Jean-Pierre Bemba ou en concertation avec lui, ou c'est Mme Eve Bazaïba qui les prend, ou c'est en consensus, l'harmonie règne. Écoutez, nous avons un bureau politique auquel fait partie le sénateur Jean-Pierre Bemba, Mme Eve Bazaïba, les présidents fédéraux. Les thèmes sont posés et les grandes décisions sont prises au niveau de ce bureau politique. Chacun donne son avis, donc le président national participe de la discussion, il donne ses avis, il donne ses arguments, les autres membres font pareil, et l'argument qui paraît le plus probant, le plus majoritaire, est adopté et coulé en forme de décision. Je veux dire que nous avons des dispositions statutaires qui sont suivies scrupuleusement, et chaque organe a une mission bien établie qui est suivie suivant les textes tels que je vous le décris. Tout se passe comme dans les meilleurs de bande, et pourtant ce ne sont pas les informations en notre possession. Écoutez, vous savez, dans n'importe quel parti politique du monde, le PS... Parti des Républicains et Démocrates, il y a ce que j'appelle ici, nous sommes, je veux dire que les partis politiques sont la rencontre des ambitions des uns et des autres. Et là où les ambitions se frottent, il doit y avoir des problèmes. Mais il y a des principes directeurs que je viens d'évoquer ici qui sont des dispositions statutaires strictes à suivre, et je pense que nous sommes le paradigme d'un parti qui, en l'absence de son président, a continué à être de toutes les batailles et a continué à exister, comme vous pouvez le constater aussi. Oui, mais tout le monde parle des élections, tout le monde souhaite les élections, tout le monde crie aux élections. Mais est-ce que, au MLC, vous êtes prêts? Votre président est en prison, il y a des petits problèmes
d'ambition. Est-ce que vous êtes prêt? Écoutez, nous avons un organe qu'on appelle le Collège des fondateurs. Nous avons le congrès qui est convoqué tous les 5 ans. Et c'est le congrès qui décide, qui reçoit ou qui réceptionne les candidatures de ceux qui prétendent aller à la magistrature suprême. Au prochain congrès, vous serez informé de qui seront nos candidats. Mais vous savez aussi, être candidat à la présidence de la République, ce n'est pas une histoire farfelue, ce n'est pas une obligation. C'est une question de rendez-vous, c'est une question de moyens, c'est une question de hauteur. Et pour un pays comme le nôtre, il faut vraiment être prêt. Donc ne pêchons pas en pensant que c'est un automatisme que de voir tous les 500 partis politiques présenter un candidat à la présidence de la République. Oui, et j'apprends qu'il y a des partis qui sont en gestation, mais est-ce ça la solution? Mais écoutez, déjà, nous avons un gros souci. Nous n'avons pas de bloc idéologique. Ici, au fait, chacun est patron de son parti politique. Donc, vous avez dans la majorité présidentielle des partis d'extrême droite, de centre, et ainsi de suite. Et vous retrouvez la même chose dans l'opposition. Donc, lorsqu'il y aura une loi établie sur le financement des partis politiques se basant sur le principe des grands groupes, je pense qu'on devrait plutôt tendre au rétrécissement et avoir l'effectivité. Il y a beaucoup de partis malins aussi qui se créent. L'effectivité sur toute l'étendue nationale, la réalisation des programmes, des bâtiments, ainsi de suite. On peut déjà, par la loi, disqualifier beaucoup de partis et ensuite, par des mécanismes incitatifs, envoyer certains partis à se regrouper pour faire des grands ensembles. Je reviens à vous pour la conclusion. On a célébré hier, lundi 20 mars, la journée de la francophonie. Nous vous le disions encore hier à Kinshasa. Le délégué général à la francophonie a organisé une manifestation dans la soirée à l'espace Roméo Golf. Élisée Mafou. À travers la célébration de son 47e anniversaire, l'Organisation internationale de la francophonie invite la famille francophone à un esprit de partage, de solidarité et surtout de l'innovation, mais également à la promotion des activités de la jeunesse. Tout le programme des activités du 47e anniversaire a tourné autour du thème principal. J'aime, je partage mon 20 mars. Mais développé sous diverses facettes, tant à Kinshasa qu'en province. Ainsi, le mot d'ordre distillé de la thématique doit être considéré comme une alternative aux divers défis de la société globale. Sa mise en œuvre peut prendre les allures de projets et ou de programmes de l'Organisation internationale de la francophonie au bénéfice des localités. Votre présence à nos côtés justifie à bien des égards l'intérêt que vous attachez à la promotion de la francophonie, ses opportunités et valeurs dont l'amour et le partage mis en relief dans la thématique de cette édition de 2017. La rencontre entre les membres de l'espace francophone est une occasion de resserrer davantage les liens qui les unissent. Nous nous réunissons ce soir dans ce cadre magnifique pour témoigner notre indéfectible attachement aux valeurs admises à l'universalité de la francophonie. C'est depuis le 7 mars que l'OIF a démarré ses activités du mois de la francophonie et c'est ce lundi qu'elle l'a clôturé avec la remise des diplômes aux lauréats congolais et libanais d'un concours d'orthographe. Mais ce mardi, on a plutôt célébré la journée internationale de la forêt. Thème retenu, la forêt de l'énergie. Elle permet aux experts de réfléchir sur les enjeux liés à la conservation des forêts en vue de limiter la déforestation. Il est difficile, voire très difficile, de circuler aisément dans certaines artères de la ville de Kinshasa. La voirie urbaine est sérieusement entamée. Sur l'avenue Kassai, par exemple, les conducteurs de transport en commun, pour la plupart, se livrent à des spectacles désolants, pour ne pas dire plus. Les usagers de la route crient au scandale. Ange Makadi, Glore Elanga et Gisèle Chimanga. L'avenue Kassai est une route économique d'intérêt provincial. Dans son tronçon compris entre Roi Kadingi et Commerce, la circulation est un calvaire. La chaussée est quasiment dégradée et occasionnant des bouchons sur cette artère.
Le lieu des négociations se trouvant aux alentours également affecté par les mauvais états de la route. Depuis Basalangelo, depuis Beba, Tina Siko solution en Ouzo Amagati. Depuis qu'on a construit cette route jusqu'à ce qu'elle s'est dégradée, rien ne fait. Le bus Transco et Esprit de Vie tombent en panne sur ces tronçons. Il y a cela 3 ans que cette situation dure. Et ça date 3 ans déjà pour Babongi sa place sorti. Celle de ville ne fait rien pour améliorer notre condition. Nous achetons nos vignettes et nos assurances. Nous avons besoin que l'état de route s'améliore. Nos voitures sont également endommagées, nous souffrons énormément. Normalement, nous ne sommes pas à l'aise en conduisant nos motos sur cette route suite à son mauvais état. Les exploitants de l'avenue Kassai vivent au quotidien ces phénomènes. La détérioration de la voirie à cet endroit a duré plusieurs mois sans avoir bénéficié de l'attention de l'hôtel des villes. En sport, le tout-puissant Mazembe connaît son adversaire pour les barrages de la Coupe de la Confédération. En effet, la Confédération africaine de football a procédé ce matin au tirage au sort des barrages de la Coupe de la CAF. Le club de Lubumbashi va se mesurer avec la JS Kabylie d'Algérie. À suivre également AC Léopard de Dolisi de la République du Congo qui se mesurera à Mbambane du Swaziland. La manche aller aura lieu du 7 au 9 avril, le retour du 14 au 16 avril. Les vainqueurs de ces doubles confrontations valideront leur billet pour la phase de groupe de la compétition qui comptera pour la première fois 4 poules de 4 cette année. Alors, je reviens à vous pour conclure ce journal. À votre avis, puisque vous participez en tant qu'observateur, donc vous participez aux travaux de la SEMCO, vous pensez que les élections auront lieu dans les délais? Écoutez, si nous en tenons à la démonstration technique de M. Nanga, qui allègue avoir déjà enrôlé 18 millions d'électeurs, de nous produire un fichier consolidé au 30 juillet, je ne vois pas pour quelle raison, à moins qu'il y ait une catastrophe naturelle, nous n'aurions pas des élections à la fin de cette année. Mais c'est vrai qu'il y a des aléas de la technique, mais nous espérons au moins, alors je le dis très bien, que la liste des candidats présidentiels soit connue en 2017. Parce que vous savez, ils doivent avoir le temps de faire leur campagne et ça participera de la décrispation de l'atmosphère politique. Parce que comme vous le savez très bien, la question des élections et la question de la constitution a gravité autour de la personne du chef de l'État. Ça a posé beaucoup de problèmes et je pense très bien que ne pas le voir sur une liste mettra tout le monde dans une posture de quiétude et c'est ce que nous souhaitons. Il s'en est expliqué à plusieurs reprises. Et vous savez qu'il y a quand même souvent un décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et puis le chef de l'État, il est des fois très silencieux lorsqu'on a besoin de l'écouter en tant que chef des armées, en tant que garant de la nation. Et des fois, il fait des sorties, pas directes, mais via des organes de presse ou via des invités, comme il l'a fait dernièrement avec Human Rights Watch. Donc nous aimerions avoir un chef de l'État qui parle librement, comme on avait avec M. Mobutu. Il s'exprimait devant sa population sur les questions brûlantes. Bon, ce n'est peut-être pas son caractère ou son tempérament, mais qu'à cela ne tienne, hein, l'essentiel c'est qu'il s'en tienne aux engagements, notamment il a prêté serment pour respecter la Constitution. Il y a eu des aléas qui ont fait que nous ne les ayons pas dans les délais et qui nous montrent sa bonne volonté. Mobutu, à qui vous avez jeté l'anathème, mais donc on ne vous comprend pas, vous, même vous les jeunes politiques. Mais vous savez, il y a un gros souci, et il faut quand même comprendre que notre population évolue, que ce soit en 92, lorsque les gens sont morts, hein, le 18 février, à la marche des chrétiens, que ce soit en 2015, avec l'histoire des fosses communes alléguées, ou en 2016, lors des manifestations, il faut comprendre qu'il y a des principes qui deviennent de plus en plus cristallisants dans le mental collectif des Congolais. Et ces principes-là, ce sont la démocratie, ce sont maintenant, c'est l'alternance, et nous tendons plus vers cela. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus simplement d'un combat de personnes, parce qu'effectivement, on aurait pu croire que M. Mobutu, parti, ce pays avancerait, mais l'on constate qu'après 15 ans, il a reculé, excusez-moi, parce qu'en fait, si vous prenez le PIB par habitant,
territoire de l'époque de Mobutu, le PIB par habitant aujourd'hui, il est bien inférieur. Il y a des périodes de gloire à l'époque de Mobutu en 75 où le Congolais vivait comme un petit roi. Donc nous n'avons pas connu cette période depuis 15 ans. Et il faut reconnaître que ce n'est pas simplement un problème d'hommes, mais c'est plutôt un problème de respecter des principes et faire coller à ces principes les personnes les plus compétentes possibles pour réaliser l'objectif commun. Là, vous avez personnalisé le débat. Je vous remercie de votre spontanéité. Et d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Fin de ce journal, juste après, vous suivrez la revue de presse dans une sélection des tapis de Tounou et commentaires de Bienvenue Babouin. Pour ce qui est de profondeur, ceux qui veulent vraiment participer à cette émission que vous aimez bien, que vous appréciez, eh bien, vous n'avez qu'à faire appel à nous, eh bien, nous essaierons de vous faire participer à cette émission. Mais le problème est que certains s'inscrivent à la dernière minute, ils ne viennent pas, ce qui est malheureux et qui nous oblige des fois à présenter cette émission à trois, alors qu'il nous faudrait trois, quatre, cinq invités. Merci d'avoir suivi ce journal, je vous retrouve demain dans le cadre de Profondeur. Bonsoir et à la prochaine. Ouvrons cette revue de presse avec cette annonce du premier vice-président de la CINCO. Selon Le Phare, la signature de l'arrangement particulier devrait intervenir en principe le lundi 27 mars prochain. Forum des As qui confirme l'information précise que la prochaine plénière au centre interdiocésain est prévue le mercredi 22 mars et sera consacrée à la préparation des postes ministériels entre composantes. Bien avant cette annonce, la tempête des tropiques signale que le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social avait quitté les négociations. Jean-Marc Kabunda Kabund a dénoncé ce qu'il qualifie de fausse manœuvre de la majorité présidentielle visant à tirer les choses en longueur en proposant encore le problème de trois noms alors que cette question avait déjà été réglée. Le baromètre rapporte que Gabriel Kyungu, coordonnateur du rassemblement dans le Grand Katanga, propose que ce poste soit confié à la Conférence épiscopale nationale du Congo. Le mois de la femme, c'est le mois de mars. Numérica Télévision m'a offert cette occasion, cette opportunité pour m'adresser à toi, oui, à toi ma mère, celle qui m'a mise au monde. Je ne pense pas que les mots seront suffisants pour exprimer tout l'amour que j'ai pour toi. Marie-Louise Mabaya Mujinga, merci énormément parce que si aujourd'hui je suis devenu un grand garçon, c'est entièrement grâce à toi parce que tu as d'abord accepté de me porter en son sein pendant 9 mois. Merci pour ça, merci pour l'éducation, merci pour l'encadrement. Je t'aime beaucoup, très sincèrement, et tu le sais. Et j'ai pris l'Éternel, Dieu des armées, pour qu'il te garde encore le plus longtemps possible sur cette terre, parce qu'il y aura des choses que j'aimerais faire pour toi. Ça ne sera pas à la hauteur de tout ce que tu m'as offert dans la vie, mais seulement j'aimerais te rendre l'ascenseur, parce que tu le mérites. Tu es la meilleure de toutes les mamans au monde. Merci pour l'encadrement, merci pour l'éducation. Et j'espère que tes vies, tes jours sur cette terre seront encore, encore nombreux. Des bonnes choses à toi, bonne fête de la femme. Et surtout, n'oublie pas que ton fils Jephté Kiti t'aime beaucoup. Bisous, je t'aime.